politique, emploi, et vous viendrez proposer vos contenus à un jury qui va les retenir et ils vont intégrer la grille des programmes des médias publics audiovisuels. On a beaucoup critiqué les contenus. Maintenant, on a la possibilité de venir présenter ces contenus en toute objectivité pour améliorer donc la grille des programmes et que la télévision qui longtemps, les médias qui ont longtemps servi à la propagande vont désormais servir à l'éducation, à l'information, à l'instruction, à la sensibilisation pour construire, pour améliorer notre vivre ensemble. Et donc, notre sœur de la félicité, ce n'est pas un slogan. Pour construire le Gabon dont nous rêvons, nous avons un formidable hymne national. Cet hymne national est prophétique. Cet hymne national nous parle. Et il nous indique les conditions dans lesquelles nous devons nous placer pour que notre Gabon soit à jamais digne d'envie aux yeux du monde et des nations amies. Et la condition principale, c'est que nous puissions nous unir véritablement. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il n'existe pas un phénomène de la polémique. Il n'existe pas un phénomène de l'injure. Mais il existe un phénomène de la paix. Parce que les grandes nations sont construites dans la paix. Et nous devons cultiver la paix entre nous. Nous devons cultiver véritablement l'unité et la concorde. Amen. La félicité. Et c'est le sens du gouvernement de large ouverture mis en place par le président de la transition et par le secteur. Alors ceux qui hier confisquaient le pouvoir pour le produire de la misère et de la honte, ils se sont naturellement exclus de ce que nous sommes en train de construire. Ils ne se retrouvent pas dans l'inclusion parce que leur ADN ne parle que d'exclusion. Ils ne se retrouvent pas dans l'unité parce qu'ils ont passé leur temps à diviser. Mais nous ne les suivons pas sur ce chemin parce que à jamais, nous avons au sommet des tests que nous voulions. Nous voulions des autorités qui nous entendent. Nous voulions un chef de l'État qui est le Gabon à cœur, qui est le Gabon chevillé au corps. Alors, unissons-nous autour de notre président de la République. C'était donc à l'instant Madame Laurence Hibon.